Salut chers amis, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. On est au jour 13 de ce défi des 100 jours, saison 10. Je suis rentré de Paris. Je vous avais quitté avec le jour 8 et le jour 10, vendredi je crois. Et je suis rentré d'un week-end, mais de ouf, de chez ouf. Autant d'un point de vue spirituel que physique, que émotionnel, j'ai passé un week-end extrêmement enrichissant. Des expériences de dingue, des retrouvailles, des rencontres, des petits trucs plus personnels qui m'ont fait chaud au cœur, qui m'ont remonté le moral, qui m'ont aidé. J'en ai encore le sourire, mais cette joie d'être monté à Paris, de mes propres moyens, de tout seul, d'avoir fait je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu des idées hier soir en rentrant dans le train. Je suis en train de lire le livre « Des coïncidences » de Deepak Chopra. Et je me suis aperçu que, alors ça fait un moment que je m'en aperçois, mais que ma vie n'est ni plus ni moins que plein de concours de circonstances, que bien sûr je me crée moi-même, mais c'est rempli de coïncidences. Et j'ai donc eu cette idée de peut-être créer une playlist. Alors pour le moment ça reste que au stade idée et concept, mais de créer une playlist que j'appellerais le journal des coïncidences ou le journal des synchronicités. Parce que ce qu'il s'est passé ce week-end est juste impressionnant sur le nombre de coïncidences qui se sont mises en place. Je les ai toutes notées. Je vais faire en sorte maintenant de noter toutes mes coïncidences qui s'appliquent dans ma vie au travers d'un carnet de notes. Et j'ai envie de créer cette playlist-là avec Journal de Coïncidences et de partager ça avec vous parce que je vous assure qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, waouh, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai vécu. Alors bien sûr, c'était en adéquation avec ce que je pensais, bien sûr, avec mon focus du moment. Mais toutes ces coïncidences se sont mises là en place. Il n'y avait aucune probabilité pour que toutes ces coïncidences se réunissent là. Et c'est magique. Et j'ai envie de vous faire partager tout ça. Donc je vais peut-être vous le faire partager dans la semaine. Je vais voir. Parce que ça reste quand même de l'ordre très personnel et que je n'ai pas forcément envie de le sortir à tout le monde. Mais peut-être que des fois, il faut agir. Et c'est pour ça que c'est la deuxième chose que je voulais vous parler en vidéo. C'est agissez. Agissez, agissez. Ne restez pas dans votre canapé à vous dire... La vie va m'amener ce que je veux. Non, agissez, bordel de merde, excusez-moi du terme, mais j'ai agi sur ce week-end-là, j'ai agi parce que jamais je n'aurais fait tout ça. Mon pote Ralph m'a appelé 3 jours avant le festival pour me dire « Bon alors tu viens, je ne savais pas trop si j'allais y aller, comment je vais faire, comment je vais... » Tout s'est goupillé comme je le voulais. Et tout s'est goupillé comme il fallait. Donc ça c'est pareil, c'est une coïncidence qui est ouf. Et franchement, je ne regrette en rien d'être venu à ce... festival parce que j'ai vu des choses, j'ai fait des choses extraordinaires. Donc c'était mon petit mot de cette fin de vidéo. Agissez, faites, suivez le courant, n'ayez pas peur de quitter votre putain de zone de confort. Et je suis désolé des termes, mais là c'est vraiment le truc que je veux mettre en place. Quittez votre zone de confort et vous allez voir des choses extraordinaires. Cette semaine va être encore plus riche parce que j'ai beaucoup de boulot, mais vraiment... par-dessus la tête, là, avec tout ce que je fais en ce moment, j'ai plus le temps de me détendre, mais c'est juste extraordinaire. Et vendredi, je vois Miss France à nouveau. Je fais l'élection de Miss Limousin. Et après, je pars pour 4h30 de route, direction Le Mans, le circuit Bugatti avec la tournée Star 80, avec le Grand Prix des Meules Bleues. Il y aura les voitures des 24 heures du Mans. Ça va être juste ouf, quoi. Je suis jamais monté au Mans et je vais au Mans, quoi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, les amis. N'hésitez pas à partager si ça vous a inspiré, cette vidéo. Je prépare un vlog de mon festival, donc je mettrai également sur YouTube et sur mes pages Facebook. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye !